Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce n'est pas une recette de cuisine, ce n'est pas un retour de course chez Lidl. Excusez-moi, j'essaie juste de pouvoir replacer un petit peu mon téléphone. Voilà, normalement c'est bon, j'ai des petits cheveux qui dépassent, on s'en fout, on reste nature peinture, c'est le principal. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de chez Primark. Et oui, comme je dis, on a la chance d'avoir Primark chez nous, c'est trop cool. Donc, chez Primark, aujourd'hui, j'en ai eu pour 72,40 €. Mais j'ai eu pas mal de choses quand même. Je vais vous donner un petit peu. Je vais vous en faire voir, mais il y en a d'autres. Non, je suis désolée, je vais pas vous faire voir parce que c'est des sous-vêtements. Et les sous-vêtements, c'est un petit peu personnel. Donc, que ce soit les miens, ceux de mes garçons, de mes enfants ou autres, je ne vais pas vous faire voir leurs caleçons. Je ne vais pas vous faire voir mes soutiens-gorge, ni mes bas. Mes culottes, je ne vais pas vous faire voir tout ça. Ça restera personnel, mais par contre, je peux vous faire voir le reste. Donc, je vais déjà vous dire ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris 3 paquets de 3 caleçons à 6 €. Ils sont vraiment beaux, ils sont bien. Moi, je sais que j'ai déjà pris chez Primark des caleçons, ils tiennent vraiment bien. Donc le paquet était à 3 €. Donc j'en ai pris 3 paquets, ce qui m'a fait... Non, le paquet était à 6 €, excusez-moi. 6 € au lieu... Il y en a d'autres encore. Il y en a 3 dedans aussi. Ils sont un peu plus chers à 9 €. J'ai pris ceux à 6 € et puis il n'y a aucun souci avec. Donc j'ai pris 3 paquets de caleçons à 6 €. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des soutiens-gorge pour moi, donc le lot de 3 soutiens-gorge, 10 €. J'ai pris... Je regarde mon ticket de caisse en même temps pour ne pas vous raconter de bêtises. J'ai pris des culottes. Le lot de 3 culottes était à 3,50 € si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. 3,50 €. J'ai pris aussi des choses que je ne vais pas vous faire voir. À ne pas vous faire voir, il n'y a que ça. Donc maintenant, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai pu prendre. Donc j'ai pris des paires de chaussettes pour ma princesse. Il y en a 7 paires. Elles sont vraiment trop trop belles. Voilà, c'est vraiment des couleurs des chaussettes de couleur d'été chez Primark. Donc 7 paires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont vraiment belles. Je vais vous en ouvrir une pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est des chaussettes, hein, c'est rien d'extra. Voilà la couleur. Elles sont comme ceci. Voilà. Hop, alors maintenant, je vais les refermer. Et voilà. Donc, j'ai pris ces 7 paires de chaussettes. Je vais vous donner son prix. Les chaussettes étaient à... Ça, c'est maigre. 4 €. 4 € les 7 paires de chaussettes. J'ai pris après... Donc, je vais vous faire voir qu'une fois parce que j'en ai pris... et pour Hugo, pardon, et pour Gabriel. Donc, voilà. C'est avec les jours de la semaine. 3,50 les 7 paires de chaussettes. Elles sont bien aussi. Elles sont très jolies. Je peux vous faire voir d'autres couleurs si vous voulez. Moi, j'aime bien ce... Voilà. 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 Avec tous les jours de la semaine dessus. Donc, voilà. Il y a vraiment toutes les couleurs. J'aime bien. Rouge. Encore un jour de la semaine. Ah, j'aime bien, j'adore cette couleur. Regardez. Monday. Voilà. Donc c'est voilà, les 7 jours, 7 paires de chaussettes, 3,50 €. Donc j'en ai pris pour Hugo et pour Gabriel, pour Monsieur Doudou. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est belle-maman qui a pris ça pour un de mes garçons. Voilà.
1,80€ le t-shirt, franchement ça vaut carrément le coup. Celui-ci aussi, ah bah regardez. Ah non, alors, 1,80€ pour l'un, 2,50€ pour l'autre. Voilà. Ah non, 1,80€ c'est autre chose. Ça c'est 2,50€ le t-shirt. Voilà ce que ça donne aussi. Je les trouve vraiment très très jolis. Bah, il y en a un autre, mon Hugo, mais il était trop content, il l'a déjà mis. Donc après, j'ai pris un jogging comme ceci. Voilà. Voilà. Un grand jogging comme ceci. C'est 7€ le jogging, comme vous pouvez le constater. Et il est bien, il est en coton, franchement. Je sais que j'en ai déjà acheté à Tom cela pour la rentrée des classes. Il me dit il est vraiment à l'aise dedans. Donc j'ai pris ce jogging-là. Donc 7€ le jogging. Après, encore un autre jogging. Celui-là, il est à 6€. Voilà. Donc celui-là, bon, il n'a pas de poche. L'autre, il a des poches. Peut-être que c'est ce qui fait la différence. Mais 6€ ce jogging. qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des petits t-shirts comme ceci. Alors, c'est des débardeurs pour cet été. Voilà. Donc, j'ai pris une taille plus grande parce que j'aime pas que ça me colle à la peau. 1,80€ le t-shirt. Et en plus, on peut, comme les sous-vêtements, les resserrer ici. Donc voilà. Après, je me dis, même si ces t-shirts me font juste l'été pour le prix, franchement, ils vont me faire la fin là. Franchement, je vais pas avoir à me plaindre. J'en ai pris trois comme ceci. Voilà, les trois se serrent ici. Les trois sont au prix de 1,80€. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai pris ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai pris aussi une brosse. 2€ la brosse. Donc vous en avez d'autres avec des motifs. Je vais vous en faire une que j'avais déjà achetée avant. Avec les motifs, par exemple, je vais vous faire voir. Alors moi j'adore les Aristochats, donc j'avais pris celle-ci à ma fille. 4€ la brosse. Donc voilà, je l'avais déjà avant. Donc vous voyez, 2€, il n'y a rien. Elle est simple, mais elle coiffe, hein. Et celle-là, 4€. Et j'en avais vu d'autres aujourd'hui, mais c'est pas vraiment les princesses que j'aime. Donc je me dis que ça vaut pas non plus trop le coup que je m'embête à y acheter une brosse alors que j'ai pas eu le coup de cœur, quoi. Marie, j'aime bien les Aristochats. La preuve, j'ai acheté aussi ceci. C'est un truc qu'on met derrière le téléphone portable. Donc oui, c'est bien à moi, c'est pour moi. Je l'ai pris pour moi, j'adore. J'aime les Aristochats depuis toute petite. J'ai pris un Aristochat et j'en ai pris un autre, mais il est déjà derrière mon téléphone, donc malheureusement, je ne peux pas vous le faire voir. J'ai pris un mini. Donc bah vous savez comment ils sont, ce mini. Celui-là, je craque de ouf. Il est trop beau. Donc je l'ai pas encore mis. Oui, vous allez me dire que j'adore, mais je l'ai pas encore mis. Parce que le meilleur pour la fin, on dit toujours. Et j'ai pris aussi. Alors ça, c'est une tuerie. Je trouve ça super joli pour ma princesse. Voilà. Un joli petit chapeau. Franchement, il est super beau. Et le prix. Bah, le prix permet de pouvoir en racheter d'autres. Donc, 4€ le chapeau. Je vous fais voir le prix, il est encore dessus. Attendez. Voilà, là vous voyez. 4€ le chapeau. Donc, vraiment, ça vaut carrément le coup. C'est vraiment pas cher. On y est arrivé ce matin vers 11h. On est reparti. Et on est ressorti du magasin. Il devait être 13h. On a fait un petit tour, bon avec les enfants c'est pas toujours toujours évident, mais ça a été. Donc j'en ai eu comme je vous disais pour 72,40€. Voilà. Alors je regarde sur mon ticket, mais je crois que je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Donc bah voilà, mon petit tour aujourd'hui était chez Primark. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire en bas, ça fait toujours plaisir, franchement, quand je vois vos petits commentaires, c'est cool.
Je sais que je vais y retourner faire les vêtements d'été le plus le mois prochain. Parce que là, voilà, quoi, les finances, on va pas non plus pousser trop loin non plus. La dernière fois, j'ai fait Action, j'ai fait après j'avais rien acheté d'extraordinaire, donc ça valait vraiment pas le coup de vous le faire voir. J'en ai pour 20 balles, donc même vous, moi, j'ai dit ouais, c'est nul ce qu'elle a pris. Mais là, franchement, j'étais vraiment trop contente, surtout mon petit chapeau pour ma princesse. J'ai qu'une fille, donc hein, on peut quand même se faire plaisir. Et pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Il est super joli, la forme est super belle. L'année dernière, j'ai acheté des chapeaux comme ça, et franchement, elle n'en prenait pas soin. Là, je vois qu'elle commence à en prendre soin, donc évidemment, je vais évidemment lui en prendre un peu plus. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Après, on a été manger à Cripit. C'était très bon. Les enfants se sont calmés à ce moment-là, les deux bébés. Mais franchement, on a passé une très bonne journée. Donc, bah, c'est tout. Ma vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner. Et je vous fais tout plein de bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.